Mes chers compatriotes, ma tournée à travers le pays a connu un succès éclatant. Je remercie tous mes compatriotes qui m'ont accueilli avec ferveur et amour. Tout au long de mon périple dans le pays, j'ai vu et lu dans les yeux de mes concitoyens une envie irréversible de changement. J'ai palpé du doigt les conditions déplorables dans lesquelles les 18 années du régime de M. Kabila vous ont plongé. En même temps, j'ai réalisé combien vous avez foi en un futur meilleur pour vous, pour vos enfants et pour les générations futures. En effet, le peuple congolais mérite mieux. Mes chers compatriotes, pendant que le monde avance et que les autres pays africains qui ont emprunté la voie de la démocratie et du progrès réforment leurs États, les Congos, notre pays, marchent à contre-courant de l'histoire, pris en étau par un groupe d'individus qui se croient au-dessus des Congolais et des lois de la République. C'est totalement inacceptable. Ils m'ont empêché de communier avec mes frères et sœurs de plusieurs contrées de la République. Un seul mot à mes frères et sœurs que je n'ai pu visiter. Nous allons nous voir bientôt. Demain, dimanche 30 décembre 2018, le choix est simple. Ou bien, nous remettons ensemble le pays à l'endroit avec un leadership compétent et une expérience avérée, ou alors nous continuons notre marche vers l'enfer avec des individus qui n'ont aucune idée de la gestion de la cité, mais qui se sont spécialisés dans l'irrespect humain, le pillage des ressources de l'État, la gabegie financière, les contrats léonins, la corruption à grande échelle et que sais-je encore. Mes chers compatriotes, vous êtes vous-même témoin des obstacles et difficultés qui ont émaillé le processus en cours avec notamment la féodation complète et l'instrumentalisation de la CENI par les pouvoirs en place. Mais demain, nous irons voter parce que nous savons que notre victoire est assurée. La CENI a pris l'engagement, grâce à notre persistance, que seuls les résultats du comptage manuel des voix seront comptabilisés et pris en considération et qu'il n'y aura aucune compilation électronique comme initialement préparée dans leur calcul. Mes chers compatriotes, quand on s'engage dans un combat noble, on ne réfléchit pas. On va jusqu'au bout. C'est une question de caractère et de dignité. Nous avons donc besoin de mettre un peu plus de sérieux dans tout ce que nous faisons. Surtout, nous avons besoin des politiciens qui comprennent que leur rôle est d'être au service du peuple. Voilà pourquoi je me présente en vous, en toute modestie, comme cette personne sérieuse, sur ses engagements et prête à donner un nouveau souffle dans la vie politique congolaise. Oui, je suis fier de m'être battu pour mon peuple.
Je marchais avec mon peuple. Je pleurais avec mon peuple. Je saignais avec mon peuple en faisant abstraction d'une vie d'avantages et de confort afin de contribuer à la libération de mon pays. Je viens avec des propositions concrètes, détaillées et chiffrées, telles que reprises dans le programme commun de l'AMUKA, pour redresser le pays par l'instauration d'un état de droit, l'assurance de l'intégrité territoriale, la création des richesses et le partage entre tous les enfants du pays de ces richesses. Une fois que mon gouvernement prendra le contrôle du pays, rien, mais alors rien, ne sera plus jamais fait au hasard. Mes chers compatriotes, l'heure est arrivée pour nous de reprendre notre destin à main, de faire de notre pays le centre du rayonnement de l'Afrique. L'heure est arrivée pour nous de retrouver notre dignité. L'heure est arrivée pour nous de dire non une fois pour toutes à la médiocrité. L'heure est arrivée pour chaque Congolais de pouvoir rêver dans son pays en ayant de l'eau courante, de l'électricité en continu et par-dessus tout de pouvoir travailler. Mes chers compatriotes, l'heure du changement est donc arrivée. Demain, dimanche 30 décembre 2018, votez massivement pour le changement, pour un Congo digne et prospère. Que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse les Congos. Que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse. Merci. Yassama Kambo.